Y a pas beaucoup de gens qui ont sauté par contre, m'étonne pas. Ah ok, c'est tout Tilted, c'est ça? Bah j'ai un zoom en tout cas. Ah, ils font leur mission, tu sais, tu fais 3 kills à Tilted, t'as ton épée. Franchement, je te dis, ils ont tous sauté sale Tilted Retail. Il y avait pas grand monde qui avait sauté avant et là il y a eu un package. Bah on a sauté un peu après, hein, ça se trouve, on aura des gens chez nous, à la maison. Là, une cuisine, une team là. Oula, il y a deux teams favelas. On va faire gaffe, ça peut backup sur nous. Ouais. On a droit au fight aujourd'hui ou pas? Ouais. En fait, c'est juste que. Ouais, y en a à ouest des failles. J'en ai aussi à côté de moi. En fait, c'est juste que c'est Fornell qui avait enlevé les failles. C'est pas du tout pour le tournoi. Je prends les kits aujourd'hui, hein. Si t'envoies, je veux que tu me les amènes. Pas quoi faire. Ça tire. Y'a une team sur moi. Sur moi, sur moi, sur moi. T'as tué les deux? Ouais. Mais t'es un monstre. J'avais pas le choix, j'avais pas de construit, j'avais rien, j'étais tout nu dehors. Je vais me mettre un kit et je reviens. Pierre, on a dit que c'était pour moi. C'est le mec qui a vu totalement. Oh, c'est trop un monstre, mec. Je venais de mettre mes deux chines. Fais gaffe à toi, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont décaler. Ouais, t'avais l'as. Mais d'où ils sortent, no joke. Ouais, parce qu'en plus, mec, j'étais encore dans le gros bâtiment du fond là. Hein. Non mais je sais que j'étais mort, j'étais obligé de me battre. Je pouvais pas courir, j'avais pas assez de construct pour courir. Ah mais ils ont fait le début de... Oh putain. De Lucky Ending? Ouais. On les a même pas vus. Ils ont fait mes bâtiments, ils ont fait tout ce côté là. Non bah j'ai pas fait les autres bâtiments que je fais, j'ai fait que le gros bâtiment pour l'instant et la chemise d'œuvre. What the fuck. Donc va faire tous les gros bâtiments Pierre et... Ah ouais j'ai... Ça veut dire qu'ils avaient pas grand chose hein. Ils ont vraiment fait tout le bâtiment. Et toi, ils t'ont laissé tranquille et ils sont venus vers moi. Bah, je sais pas s'ils m'ont vu ou si. Ça aucune chance quoi. Bah, du coup, j'ai plus de chance. En vrai, franchement, heureusement que ça sur toi parce que j'étais pas du tout prêt. Hein. Bah, tu crois que j'étais prêt, moi à... Ouais, mais toi, t'es un... Toi, t'as pas besoin d'être prêt, tu vois ce que je veux dire? C'est comme. Tu vois, t'es meilleur que j'ai entendu des bruits de pas. Franchement, ça m'a réveillé, hein! Non, GG, t'es monstrueux, mec, hein! Rien à dire. Attends, j'imagine que c'est en train de pousser la bite actuellement. Alors qu'il arrive en train de dire: oh, gna gna gna, il a bouffé une game, gna gna gna. Même plus bon, gaffe. Ça à vous, les haters. J'ai des grenades, quoi. Je suis preneur. J'ai toujours pas de potes, hein, moi. Ah, tu pourrais les attraper, hein. Bah, moi aussi, j'ai pas de potes. J'ai fait un trou à l'étage, tu peux les prendre en sautant. Je vois. On peut... Y'a un tremplin pour 300 de bois, ça vaut le coup ou pas? C'est cher au début 300 de bois. Et on trouve une team au début, on est... Farm. Ouais, c'est vrai. On y avait pas grand chose dans les autres maisons. Non, mais attends, on a pas de shield. Aucun shield là. Ça par contre c'est pas ouf hein. Il y a eu mes deux shields ça veut dire et rien d'autre derrière. On peut essayer d'aller voir le totem et pas faire, là où il y a les failles. Ouais. Je pense que 300 de bois ça se prendra. Ouais. J'en ai 500 au pire. Au pire on reviendra... Ouais non on reviendra pas. Il y a la zone ouais c'est pour ça. Il y avait un pompe lourd maintenant ça. Pompe lourd je pense c'est un peu moins worse pour 300 de... 300 de briques. De faire. Ah j'ai du shield là.
Mais c'est une 50, malheureusement. Enfin, il y a encore le totem, hein. J'ai vu qu'il y avait des... Il y avait... Ouais. Le ciel au totem. Il y a le pont aussi. Ouais, moi je vais aller au pont, justement. Fais gaffe à toi. Moi je lésine pas sur le farm, hein. Je vois l'importance du truc, que les mecs sont pratiquement pas lootés et qu'ils ont basse farm. On va voir si ça me porte chance ou pas. Il y a un colis aussi. Ça Nord. Et j'ai des mini shields pour toi, Coco. Ouais, j'ai full mini shield. J'en ai 6. Dommage que je les ai pas trouvés avant. Tu veux le lance-grenade? Alors, j'ai une carabine, donc parce que moi j'ai les grenades. Pourquoi je vais le prendre? Au pire, attends, j'ai peut-être ma 6 explos, je peux le prendre. J'en ai 6. Parce que j'en ai un gros là après. Enfin, au pire, mets le gros toi. Il est vers les sols que j'ai mis là sur le coin pour pas t'attendre. Il est où le lance-grenade? Là je l'ai ramassé, tiens. Tu veux des... tiens, des mines. Prends le gros shin. Je l'ai mis à droite là si tu veux. Ah vas-y, vas-y, prends-le. Oh, t'auras plus tendance à être un peu plus safe. Ouais mais je vais jouer un peu plus safe. Toi tu montes plus. Y'a le gaz qui arrive mec, hein. Fais vite pour les coffres. Y'en a pas. On prend une faille ou pas? On peut. Et on va sur le colis au pire. Ah, ça... ah y'a des gens qui se battent usine. Ils se battent? Ouais ouais, on peut peut-être backstab si on veut. Ah oui. Ils se battent, je viens d'entendre tirer. Ouais ouais, ils arrivent sur la gauche, je suis bien bien. On va sur l'usine, tape usine. Je tire. Hein. Gaffe au mec. Oh tu m'as fait... J'ai 27. Il voulait de cover. Touché 3 fois à gauche. C'est un bot. Je vais le faire tomber. Fais gaffe à gauche, à gauche, à gauche, fais gaffe. Oh il est tombé de ouf. Il m'a fait masse mal. J'ai mal de ouf. Je recule. Je me soigne. Je me soigne, fais gaffe, fais gaffe. Putain, il m'a laser de ouf avec son arme à rafale l'autre là. Ils sont où? Pas du tout. Back avec toi. Ok, il y en a un 105 là dans le carré. T'as du petit shield pour moi? La zone est. J'en ai plus qu'un. Gaffe à droite. Ouais. Oui, je suis touché. Une tête. Touché, une tête, une tête, une tête, il est où? Un par terre. Mort. Nice. J'ai absolument plus de vie, j'ai plus rien. Est-ce qu'ils ont du kit? Il y avait d'autres gens contre qui se battaient là, non? Ils ont un bandage. J'ai mis 4 têtes monstrueux. Ils ont un seul bandage. Lui dites la zone. Ils ont rien? Ah non, non, non. Enfin, en tout cas, le deuxième que t'as looté, j'ai eu que celui-là, moi. Et j'ai juste pris la grosse batteuse. Oh là là. Encore passé une seule game. Bon, c'est pas. On fait comme l'autre fois. Tu joues comme si t'étais tout seul. Non. T'es à TD, mais. Bon, en fait, c'est le gaz qui me fait peur. Ça se bat toujours au Nord 15, là. Ça se bat toujours. Ça édite, ça construit. Il doit y avoir deux duos. Ça a pas dû se finir. Putain, ils ont fait perdre masse temps. En fait, c'est que ça m'a à la fin là. Mess ressort surtout.
Il m'a enlevé, tu sais, ouais. J'avais 200 HP et en plus il m'a fait tomber, j'ai perdu trop de vie. Ouais, j'ai perdu 50 HP moi sur quand on est tombé. J'avoue que j'étais pas prêt à tomber. Ok, la zone ça va mec, c'est juste là. C'est Bloom par contre, il m'aide vraiment pas rien aujourd'hui. C'est derrière les rochers de... Bah moi non plus en fait. J'ai pas fait du balle par balle, j'ai full et j'ai pas touché du tout alors que j'étais en plein dessus. Moi je prends vraiment littéralement 2 balles et je meurs. Y'a un mec en face de moi qui court tout seul. Il est tout seul. Ouais. Ouais, il est tout seul, vas-y je tire. Je sais quoi, ça prend. Je spam. Touché. Touché. Des petits shields. T'en donnes un. Y'a plus rien. Une grenade collante. On avance. J'ai mec, propre. Au top, fais gaffe. Il me vise. Ah ouais. Au pire, on peut attendre ici. Ouais, on descend, est il descend. Je me fais une tour. Hein. Ouais, je vois. Bazooka. Il y en a un qui a pris cher, sur gauche a pris cher. Sur droite à terre. Mon petit, il est lourd. J'avance, des recollantes. Pas perdre de temps. Mort. Nice. Des coca. Scar, je prends. Bazooka, tu veux bazooka? Je garde la grosse batteuse. Non, j'ai un. J'ai un. Un lance-grenade. Oui, c'est vrai. Bon, je suis un peu mieux là dans la game. Il y avait rien d'autre? Bandage? Okay. Non, j'ai pas de sang sur moi pour te dire. J'ai pris le bandage. T'en veux? Non, t'inquiète. J'ai bazooka et batteuse. Ok, j'ai lâché des gros collantes. J'ai gardé juste les lance-grenades. Je vais prendre des bandages avec moi. Ok, des mecs 15-30 à 200 mètres. Ils vont vers la maison, une espèce de maison cassée là, tu sais, celle où il y a un coffre sur le toit. Ok. Ils m'ont vu, ils me voient. Il m'a vu. Et quoi, tu veux fight pour l'instant? Pour l'instant, j'ai vu qu'un mec. Hein. Ouais, il est tout seul. Il est tout seul. On essaie de garder la hauteur. On va être dans la zone. Il se cover juste contre nous. Ouais. Il fait rien. Ouais, dans la zone, hein. Cette zone elle est sympa. Est-ce qu'on se rapproche du milieu? Soit il est caché, soit il est. Fais gaffe, hein, n'importe où. Ouais, je regarde un peu partout. Il va dans la petite forêt 180. Ah non, ils sont deux forêts. Les gars, je crois qu'ils veulent nous jouer. Viens, remonte en haut. Fais gaffe, c'est le nouveau snipe. On prend le bâtiment là? Vas-y, ça nous fait une base. Y'a un mec en ouest 285. Il s'approche de nous. Ouais, ils sont deux, ils sont pas derrière. Ils sont à la base à côté. On fait gaffe, t'es le nouveau sniper. Hein. Ah ouais. Y'en a un qui recule. Attends, y'a des gens qui arrivent dans l'ancienne construction. À moins que c'est. Ah, ils sont peut-être ensemble. Par contre, je sais pas du tout. Ils sont encore dans la forêt, les autres anciennes. Ouais. Enfin, non, y'en a un qui est déjà parti plus loin dans les rochers et l'autre forêt. Ah bon? Ah ouais? Ok, j'essaie de le tirer dessus, juste pour lui mettre un peu la pression. Fais gaffe au snipe quand même. Oui, ils sont deux snipes. Et fais gaffe, c'est le nouveau sniper. Et je crois que les deux ont le nouveau sniper. Non, l'autre, c'est l'ancien. Ouais, mais il peut faire le combo, donc il bouge dans ta construction. Oui, mais je suis derrière escalier et mur. Ok, il y a une team west derrière la team devant nous. Un qui s'est pris 60 et un qui s'est pris 27. Ah, là-bas? Ok. Ouais, sud-est. Il y a deux teams qui vont se battre là. En west. Deux teams qui vont se battre. Tu veux qu'on se décale pour l'ouest au pire? Je pense que ouais c'est... Ouais, j'ai tourné à ma construction. Ouais, si on peut cliquer ouais, avec j'ai lance roquette, grosse batteuse. Tu veux peut-être la batteuse, toi t'es plus habitué non? Ok, y'a des mecs qui décalent vers la gauche. Ils sont plus à gauche sans... Si t'arrives à prendre des piques, go. Ils ont un lance-grenade. Faut limite les laisser tranquilles, c'est à gauche.
Et plus focus à droite. Après on aura des kills en late game, on est bien pour le late game aussi mec hein. On a le stuff pour le late ouais, game. Ouais. Voir la prochaine zone, on bouge maintenant ou on attend que ces mecs là bougent? On peut bouger. On peut bouger pour prendre la prochaine zone, on est pas loin. Et je crois pas qu'il y a des ennemis. Ça se lance du lance-grenade. Je garde la vision. Bon, avancer en contre-prendre le jeu, faut qu'on y aille, Gaffe au snipe. Ouais. Nous visons le snipe, je crois. Je pense que là, si c'est sur la droite, c'est dans la zone, on y va, on reste. Hein. On se rend en fer. Niveau de l'arme. L'arme me dérange là. Gaffe, t'es monté à 4, hein, Coco. T'es monté, ouais, t'es monté à 4. Je meurs pas, il est en bas de mon escalier, je prends pas de dégâts. J'hésite à utiliser un bandage pour 2 HP, mais je pense que j'en ai que 8 donc. Du coup, il y a 2 teams en ouest normalement et une en sud. Ils vont devoir tous venir vers nous. Ouais, je regarde. Qu'on va devoir se battre contre eux. Il y a une team nord 15 aussi. Je regarde le ouest plus moi. Bah en vrai c'est sud et... du sud au sud-ouest, enfin du sud-ouest. Sud et ouest c'est le main focus. Mais ça arrive. J'aurais dû me faire ma tour à ta gauche. Ça arrive 250. Et je vais utiliser des construits à gauche. Ok, ça met des balles s'il te plaît. Un toucher 23 en face, ouais ouais, ouais c'était ça en train de se battre. Et de plus focus sur la gauche parce qu'ils sont hors zone. Ils vont avoir plus de mal à venir. Un touché. On se prend bien en grenade. On prend cher mec. Gaffe. T'as du soin ou pas? Ouais. Cher. Viens à côté de nous. Merci. Ah, ils en ont profité quand on est pris la sauce. Ils sont en bas, ils sont bas. Je relâche le dernier bandage. T'as relâché le dernier bandage? Ouais. Je vais ouvrir là, ok? Ok, il y a des mecs sur la gauche là. On peut les spam peut-être? Des mecs en dessous de nous, il y a des mecs un peu plus loin. Allez là. Y'a personne en dessous de nous. Ah si y'a des mecs juste en dessous de nous. S105. Tu veux qu'on fasse quelque chose? S105. Et OS285 là y'a des mecs là. Oh je l'ai mis dedans, je l'ai mis dedans. Il va être touché. Il est touché, touché, touché. Je regarde l'autre côté au cas où. Quand ça se papush. Ah y'a un mec juste en dessous, y'a un mec juste en dessous. Allez mettre des toits et tout. J'ai plus rien. Gaffe, ils essaient d'extend les mecs là. Fais gaffe au fond, fais gaffe au fond, escalier. Fais gaffe, mon grenade. Pas viser plus haut. Et on se décale sur la gauche, mec, maintenant, pour la zone. Vas-y. J'ai plus trop, j'ai que du fer. Enfin, j'ai que de la brique. Sur moi, sur moi, sur moi, fais gaffe. Où ça sur toi? Je sais pas, ils étaient contact à moi. Ils ont tremplin en fait. Y'a plein de gens qui arrivent contact là. Ah ils sont juste en dessous, fais gaffe. Tant pis pour moi, t'inquiète. TMZ et ils étaient juste en dessous, putain je les ai pas entendus. Enfin qu'il essaye de gratter des kills toi.
En fait, c'était leur construit en dessous de moi, j'avais pas réfléchi. Je pensais pas qu'il y avait des rats en dessous. La zone, ouais, elle est en face de toi. Il y a un piège juste derrière le mur. Et je crois qu'il y a deux équipes là-dedans en fait. Ouais. Je peux plus l'idée. Regarde, tu vas être sur un force KV. Ah, dommage! C'était son pote au top? Je pense, ouais. Il était pas au même étage, dommage. Parce que c'était. Je pouvais pas le prévoir. J'ai chopé ma balle de pompe. Bon, top 4 et 7 kills, hein, mec! Hein. Ouais, je sais. C'est bon, du coup? On est x2 pour la prochaine game. T'es un monstre, mec. Ça, on était dans les derniers. Dommage. Non, ah, mais en fait, c'est quoi? C'est parce qu'on fait tout un peu trop tard, un poil trop tard. Là, si on fait, si on fait juste un peu avant, là, ce qu'on fait là. L'extend? Ouais. Bah, en fait, t'as pas les mecs en tremplin sur toi. Là, tu m'aides à enculer les mecs qui se push, là. Tu fais une fois comme moi et on encule les mecs qui viennent sur nous. En fait, c'est qu'on fait tout une seconde trop tard parce qu'on manque d'expérience à ce niveau-là encore. Mais franchement. Oh, wow. Ah, il avait un HP. Ouais. Ah, bah. MZ, combien de kills? 3? Son pote, il en avait quoi? Peut-être un ou deux. En GG, 7 kills, mec, c'est propre. Non, on peut être top 1 killer, Coco, et c'est 5000$, c'est tout ce que je peux te dire. Plus la première place en kill. Ah non, c'est le rang 4ème. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est rang 4. Attends, je regarde, j'avais pris le screen. Y'a de l'argent pour le placement? Ouais. Quoi? Placement dans la game. Non, mais attends, on est 4. Tu gagnes de l'argent en fonction de ton placement? Parce que moi, sinon, j'aurais pas joué comme ça, hein, j'aurais pas tenté. Hein. Attends, je sais plus. Attends, je regarde le téléchargement. Ah, je me suis dit, je vais les brain parce qu'ils vont penser que je suis toujours dans l'extend. Et pour preuve, il était en train de faire les construits. Price pool breakdown. Bah, c'est placement par rapport au. Bah, non, sinon, il y aurait pas le truc de top killer. Bah, c'est placement par rapport à tes kills. Bon, mec, je me mets prêt, je vais fumer une clope. Mais GG, hein, propre. Première game pour l'instant, c'est nice. Bon, en tout cas, si c'est le placement, on gagne 1650, potentiellement top killer aussi. Attends, qui a fait plus de 7 kills dans la game hein? Franchement, je pense qu'on est en tout cas dans les top 3. Coco! Lucas, tu vois? Nous allons dropper. Ensuite, nous allons looter. On fait attention autour de nous parce que voilà, on est silencieux. Puis après, on y va, on prend la fa et boum, on fait des kills. Et voilà! Il peut y avoir des gens, reste concentré. Oui. Bon, là, on sera obligé de les voir parce que logiquement, ils vont faire la technique de l'eau. Ah, quoique, non, on va un peu plus loin. Gota amateur et Mikao pour mettre. Merci à Scalès. Merci à Lax, regardez. Bah en soi, là, si on suit la logique, c'est moi l'invité et c'est toi le pro. Non, ils ont invité des animateurs aussi, hein. Pour moi. Je sais pas, Mika. Mais genre, par exemple, Yoshi, c'est lui qui a été invité, c'est pas... Et c'est l'animateur qui a invité. Non, il y a aussi des pros, je crois, qui sont invités. Non, après, c'est l'animateur qui a été invité. Ah bon? Oui. Ah, je croyais qu'Instar avait été invité. C'est-à-dire que c'est Gibbs qui a été invité. Non, j'ai pas commencé par le sanctuaire cette fois, Coco. Y'a des mecs qui vont à Favelas. J'allais dire Mosty, mais c'est vrai qu'il y a pas Mosty. Moi je suis bien en l'air, hein. Je vais bâtiment du fond. Hein. Mais je vois personne, ouais, hein. S'il y a encore des gens là, je comprends pas, hein. Vraiment en gros. Hein. Là c'est pas le rendeur distance, normalement ils devraient être collés s'ils étaient là. J'ai des pattes bleues. Oui, c'est bien ça. Pattes bleues piège. What?
de bandage. Par contre, la batteuse, c'est pas mal, hein. Ça y est, c'est bien. Côté la batteuse, hein. Mais elle a été nerf, donc fais gaffe. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que je joue plus 3. Même répulse. Il y a des grenades là où je suis. On est dans la zone, hein, donc prends bien ton temps pour farm. Il y a un snipe et une carabine. Et des mini-potes là, Coco, si tu veux. Ouais, j'en ai bien une. Je vais en laisser juste une, après je prendrai la 75 Pasteur. Vas-y, prends, j'ai un kit aussi. Et je prendrai le kit aussi. Pardon, je croyais que j'avais ma. Il y a une grosse pote ici. Les popos. Pas de doute, hein, j'ai toujours pas de confort. Petite pote ici en le top à ramasser. Y'a un pompe auto là si tu veux. Je vais pas faire le sanctuaire tout de suite. Moi je vais y aller avec toi. Y'a un pompe auto là, bleu. Ok. Bon là, y'a plein d'armes tranquilles à farm. On fait sanctuaire ou faille et on revient en city? On peut faille et. Parce que faille a les coffres. Pas sanctuaire, il y a quand même 3 coffres. Ouais, je suis proche du sanctuaire, un coffre sanctuaire. Ah, sinon, on va là-haut, ah, on fait le bâtiment. Go, oui, voilà. Ouais, go faille. Je me suis gouré, je vais dire go faille. Et... Comme tout à l'heure, je fais les coffres à pont et. Fais gaffe à Flash Factory. On était dans le même timing avec les mecs Flash. On a eu juste un peu plus de rapidité. Il y a une Slurp ici. Slurp c'est fort aussi, hein, mais bon. Ouais, mais là j'ai plus de slot. Hein. Bois là quand même, qui est bon fight. Ah, je peux l'avoir même si j'ai pas. Même oui. Si je suis full life. Oui. Grosse popo. Il y a un kit ici. Il y a deux grosses popos ramassées là si jamais, mais bon, je penserais que. Moi je prends les deux grosses popos à la place du kit. Et quoi, on aura pas de heal. Ouais. Mais on aura deux grosses popos. Sinon, je prends pas d'utilitaire, je prends grosse popo et. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ça. Il y a un kit là aussi. Et qu'on retourne sanctuaire. Ouais, avec les failles. Je vais venir prendre ton kit. C'est la maison que j'ai pas faite si jamais. Faire la maison maintenant que t'as hier. En vrai, j'ai qu'une air grise et j'ai pas beaucoup de munitions. Ou sinon, je garde le pompe auto et je prends juste pompe et air. Il y a le double aussi, hein. Là où il y a le kit. Hein. Double pompe? Le. Ouais. Ah, y'a des mini-potes. Nice. Ah, y'a le barrette. Je prends le barrette.
Et un lance-grenade. Bah voilà, ça va commencer à devenir compliqué cette histoire. J'ai envie de lâcher toutes mes armes en fait. Bah je vais... Moi je veux bien le barrette au pire si jamais. Comme tu veux. Ou sinon toi tu prends le barrette et moi je prends le lance-grenade. J'aurais bien des deux. Vas-y. Pour faire ça. Tu t'entraînais avec? Parce que c'est pas du tout le même bullet drop et travel time hein. Oh ouais, t'inquiète. On a faille et on a deux. Attends, mais il est où le lance-grenade? Il est dans la maison sur le toit. Oh là là, et ça c'est le genre de moment où Flash Factory, les mecs ils arrivent. Non, non, justement, j'ai pris la faille pour regarder. Là où il est l'intelligence de cet homme. Utiliser les failles pour observer l'ennemi. Et je vois rien, usine aussi. Moyen qu'usine soit pas loot. C'est bizarre quand même. Ah, il y a des mecs sur la montagne en Nord 30. Nord 30 ? On saute faille et on va sanctuaire, on s'en fout. Attends, tu tentes une balle, tu tentes une balle ? Ouais, c'était pas un des bons plans ça. Go faille, on va sanctuaire. Ouais. Il se barre, il se barre, il se barre. On prend leur construit ? Ah parce qu'il y a la faille, il y a la zone. Vas-y si tu veux. Go, on va top montagne. Au-dessus d'eux. Ah je peux pas aller top montagne mais vas-y. Je te suis t'inquiète. Un qui est tombé. Un sur moi. Ouais, je suis mort. Nice, l'autre il est en bas. Tu l'as eu l'autre? Direct. Tu l'as eu l'autre? Non, non, j'ai pas eu l'autre. Je suis direct, mec. Il est descendu. Je me requinque. Ouais, il est descendu. Je prends les deux grosses popos direct, hein. On me bat direct. Ah non, j'ai des mini. Ah, dommage. J'aurais pu te donner une mini et comme ça j'aurais eu 50 aussi. Il monte. Y'en a deux. Sur moi, Coco. Ah mais attends, t'es sur un autre mec. Redescends. Je reviens. Ouais, tu es sur moi. Je descends. Ils l'ont eu, je crois. Ouais, ils l'ont eu. En fait, j'ai cru que c'était toi qui. C'était toi qui t'es en train de te battre avec lui. Enfin, je me battais avec lui, mais en bas. Attends, viens, viens, voilà. Je veux bien une petite botte. C'est sur qui tire là? Certainement dans les costriques où j'étais. Juste une. On fait le tour par en bas à gauche. Ou à droite. On fait le tour montagne. On peut en bas. Et là, on va être en haut, justement. Ils nous attendent, tu penses? Ah bah à mon avis. Ou alors il y a pas la zone. Ouais, il est construit. Je te montrer pas trop. Il a touché l'autre top. En dessous, j'attends qu'il fasse une erreur. Là, ils sont en train de spam. Touché, il s'est puissant. Un mort. Ok, c'est sur moi, il monte dessus. Je fais descendre, je fais tomber. Mort. Il m'a touché. GG mec. T'as super bien joué ton push, hein. Tu m'as pas trop parlé mais t'es un monstre. J'aurais besoin de petites potes après. Il est où le kit? Non, t'inquiète, j'ai les 3 sur moi. Faut juste qu'on descende de ça là.
En fait, je jouais par rapport à toi. Oui, non, mais j'ai vu, mais après, le truc, c'est que tu me parles pas trop, donc moi, après, je suis en mode, je te follow, tu vois. Mais c'est grave dur, parce que du coup, faut vraiment... Ok, Mika, il a compris, ok, on est good. J'avoue que je joue trop par rapport à mon coéquipier, du coup, je parle pas. Y'a des mecs à droite. Attends, quitte. Je veux, t'as des petites potes encore, je prends des mecs. Il monte. Prends mes potes. Fais gaffe. Il va essayer de me tirer dessus. Je te redrop l'autre. Super chien. Je reprends les kits qui sont je ne sais où. La zone est loin, mais c'est la zone. Ils m'ont collé. Ah, vraiment lourd mec. Une balle. Mort. L'autre sur moi, il s'est tombé. Touché de ouf. Il va tomber, il est tombé. Il est tombé, il est low. Mort. Putain, on est démence mec, GG. Bon du coup j'ai focus les mecs qui t'attendaient. Y'a 10 potes. Ouais, je prends un air, je me mets un kit. Tiens, je te drop un autre kit. Fais gaffe quand t'es dit, me fais pas tomber s'il te plaît. Je peux pas le prendre du coup. Attends, je finis dans deux secondes. Ils sont où les potes? C'est bon. Bien les potes. J'ai plus de balles de rien mec, j'ai 30 balles derrière, 40 balles derrière. Faut qu'on se dépêche. Je te donne Je te donne la moitié des potes. Essaye d'aller loot. Il est merde. Ouais, il était par là. Oh j'ai pas. Ah. Putain du coup. Ouais du coup je risque pas. Merci pour les balles. Ah fais chier. J'ai pas le temps de looter le mec, je me suis dépêché pour te sauver. Ouais mais j'étais pas... N'oublie pas qu'on est en double hein. J'étais pas mort mec hein. Ouais mais... En gros moi j'ai enlevé 170 HP au mec que t'as fini là. Et tu sais que le mec était au-dessus de moi quand je faisais ça hein. J'avais peur qu'il me drop dessus et il m'encule. Mais après quand tu m'as dit au-dessus de toi, je suis sorti, j'ai mis tête une balle, j'ai fait tomber, il y a un outil. Non franchement en gros c'était un méga bon tir croisé. C'était risqué parce que l'autre pouvait me drop dessus mais en vrai... C'était stylé. Le risque à payer hein. Mais par contre, pas super bien quoi. J'ai plus beaucoup de balles, moi. Fais gaffe, Norway 60 là. C'est du. Ouais, je pense qu'ils sont partis depuis longtemps. J'ai plus construit, moi. Hein. J'ai plus du tout de construit, mec. Hein. Tiens. Parce que du coup, j'ai rien. La moitié de ma brique. Merci. J'ai 46 de bois et 32 de. Gaffe, y'a deux teams. En par rivière, non? J'ai 3. On peut. En fait, je voulais farm un peu. Ouais, mais là, y'a une team qui vient de construire. Fais gaffe, il nous vise. Ah oui. 200, on peut se mettre un peu partout. Allez, le bout de nous. Ça tombe arrête là, y'a peut-être des. Un ouais. Que tu peux faire tomber sur l'escalier là. T'as des explosifs ou pas? J'en ai que 3. J'en ai 8. Ça va bien. Sur moi, une pêche. Fais gaffe. Je suis low. Fais gaffe, c'est toi, Coco. Touché. Il est une balle. Je me remets des petites pattes. Mort. Il est au-dessus. Touché. Mort. J'ai mis qu'un. Ils ont des pattes. Et des balles. J'ai pas de grosses potes ou juste une? Ah, une seule. T'as des balles derrière? Ouais, fais gaffe, ça arrive. Y'a des gens sur nous encore. Tiens. Je recharge toutes mes armes. T'as les explosifs ou pas à me passer?
Je redescends, je me fais tirer dessus par tout le monde. C'est moi qui leur tire dessus. Ils redescendent. Je viens avec toi. C'est moi, je suis là. Viens. Ça va, ils m'ont enlevé que 10 points de vie. Y'a des mecs derrière aussi là, non? Y'a des mecs au-dessus de nous. Ils sont pris des balles. Je vais sur la droite. Au-dessus de moi. Mets une balle. Ouais. Nice. Tempo. T'es le meilleur, mec. Y'a un mec qui est mort dans le gaz avec moi. Ok. Ouais, je vais mourir. T'es monstre. Mec, 8x2, 16. Hein. C'est comme si on avait fait 16 kills. Pouvait rien faire, être trop team limite des zones là. Non, non, t'as géré d'où, gros? Putain, mais du coup, ça fait comme si moi je fightais pas, je suis à 0. Putain, gros, laisse-moi mettre les last hits, putain, je vais plein de gens l'eau. Non mais tu les mets low et moi en fait à chaque fois je les mets low, ils se protègent de moi en plus après. Ils se protègent jamais de moi, c'est trop bien. Et après je te vois, tu fais mort, t'as tiré une balle. Ah franchement mec, t'as été monstre encore, GG. Du coup on est dans le top 10 ou pas? Ouais, nice, on peut regarder la fin des games. Putain, mais on a fait que de fight ces fils de pute, ils faisaient que de nous fight là. Ouais. Mais par contre ceux qui viennent au-dessus de nous alors que la zone arrive genre... Et du coup c'est de nouveau x2 pour un next game. Attends, ceux sur qui on est, lui il a 4 kills, mais il a encore un petit gun en main, genre. Et l'autre il en a un. Bon, par contre, il t'a touché toi le bazooka? Faut pas qu'il nous vole là. Non, il m'a pas touché. Ouais, mais moi j'ai décalé. Putain. Je les ai entendus sauter, je leur ai mis une balle de chasseur, de lourd, et je me suis décalé à ta droite. Mais tu sais que c'est à cause d'eux qu'on meurt en soi. Hein. Et par contre, ils font masquer là. Mika? Oui. Ouais. Clique sur les stats et dis-moi les damage to player. En vrai, j'ai que 534 en vrai. C'est où? Ah, voilà les stats de la partie. Et. Dégâts aux joueurs? Ouais. Non, je vais te laisser. T'as combien? T'as fait tous les dégâts, Coco. T'as énormément? Ouais, mais t'as allé au pompe aussi. En plus, le pire, c'est que t'as vraiment l'impression que t'as mis tous les dégâts et en plus, c'est le cas. Mais je pense que tu sais, ça compte en mode genre il a 35 HP, j'ai mis un coup de pompe à 130 et ça doit compter 100. Non, mais alors là, tu me carries. Hein. Vas-y, je vais vite fait sortir mon sac à dos, je reviens après, ok? Tu me fermes pas le sac. En vrai, Coco, par contre, on aura pas le. Je pense qu'on aura pas le top killer. Hein. Eux, ils ont l'air de faire masquer. Bah, non, il avait 4 et l'autre 1. Ils sont à 5, donc il faut qu'il fasse 3 kills de plus. Ah ok, je croyais qu'il avait plus l'autre. Non, non, 4 et 1. J'avais oublié qu'on pouvait regarder cette email. Bah en fait, il y a encore quelqu'un sur ViewMatch Chat, je peux plus changer à moins que son pote est mort. Ok. Non, il est mort. Okay. Parce qu'il est tout seul. Il a subi ce que j'ai subi. Ils étaient en bord. Ils devaient courir après la zone et il y avait tout le monde en bord de zone qui leur tirait dessus. C'était la pire game. En vrai, non, moi je suis content de ce que j'ai fait là. J'ai pas mal joué. Ouais, c'est la pire game. En fait, parce qu'en fait, le mec il voit 0, mais si tu regardes le stream, franchement. Genre, sur beaucoup de kills, je les mets à une balle quoi. Mais bon. Bah oui. Et puis même, genre, même ceux que tu mets pas spécialement l'autre, t'as le focus. Non, on sait qu'il est animateur, j'avoue. Je peux le prendre. Bon, Mika, comme je dis, je vais fumer une clope, je sors ton sac à dos vite fait, ferme pas le zip, ok, je reviens après. Vas-y, à tout de suite. Il est chiant parce qu'en fait, c'est. Oh, Nox, je fais pas mal de kits non. J'aimerais bien voir. Oui, il est Nox. What? Oh, il s'est fait laver. Oh, les faux bruiteurs qui est avec Nox. Ils vont gagner. 4 kills. 4 kills, Nox 7. What? Ils ont fait 11 kills, putain, mais ils ont fait une bonne game et ils nous niquent. Voilà, vous méritez. Vous méritez que ça. Et lui 6. On va pas être top killer, c'est incroyable. On va être premier.
Parce que, genre, on a. Moi, je sais pas combien son pote est Nyx. Et lui, il a déjà 6. Mais c'est incroyable cette game. Genre, pourquoi à chaque fois qu'on fait plein de kills, nous, les gens font plein de kills aussi? C'est trop chiant. Je pense que t'as le top killer qui compte que les kills. Et après, t'as le rank. Tu sais, le classement de la game qui compte par rapport aux points là, par contre. Donc, nous, on est en x2. Donc, je pense qu'on est premier, mais qu'on n'a pas spécialement top killer. Parce qu'en plus, il y a Fnatic Ethnix qui vient de win là contre Nox et le Fou Bruiter. Il a fait. Ah, on est deuxième. On est deuxième en. Quoi, 7 points? Ah non, match 1, ok. Oh là là, si j'avais tué l'autre connard là, putain. Ça se trouve, si je serais parti dans le sanctuaire au lieu de le jouer à l'extérieur, je serais mort. Ça se trouve, j'aurais survécu avec 200 HP. Enfin, ouais, après le niveau joue quand même un minimum. Parce qu'il n'y a pas que le random. Par exemple, si t'étais moins bon, peut-être qu'en intelligence de jeu, t'aurais fait un autre play. Et ce play était nul et tu serais mort, tu vois. Avec ton intelligence de jeu, bah t'as trouvé un bon plan, tu vois. Donc oui, le niveau influe quand même. Mais. Après, sur le moment, c'était peut-être pas le meilleur, mais c'est passé. Allez, go. Là, il y a beaucoup de monde qu'on se. Il y a des gens à Lucky, je pense. Ah, ils veulent nous niquer notre x2. Ah, ouais, ouais. On y va quand même. Ouais, comme tu veux, on peut aller zin sinon. Bah, moi j'ai fait spawn haut. Hein. Allez. Pour l'instant, je vois personne à Lucky, mec. Hein. Pour l'instant, je vois personne à Lucky. Fatal. J'ai vu personne, mais j'ai peur que ce soit un. Bah, je suis pas allé sanctuaire pour sécuriser. J'ai vu tellement de monde, c'est étonnant que personne soit là. Bah, en fait, ils font tous. Ils drop direct, quoi, c'est tout. Ouais, mais pour aller où? On est sûr qu'il y a personne ou pas? Parce que j'ai une potion bleue, mais je préfère attendre des petites. En tout cas, de mon côté, il y a personne. Lance grenade. Et grenade. On est loin ou pas là? Fatal feed, sorti. Ça va, j'aime bien quand c'est comme ça. Oh là là. Bon, ça se fait que tu mets plus de temps que d'habitude. Parce que je fais un masse là. Je fais tous les frigos et tout, franchement t'y perds là, je suis 3 mois. Même si ça rapporte que 6 à chaque truc, quand je sors de Lucky, je suis entre 300 et 400. Ok, j'ai une slurp, t'as une mini ou pas? Non, j'ai une grosse. J'attends les mini aussi avant de boire la grosse. Parce que vu la non-chance qu'on a sur les popos en ce moment. Ouais, j'avoue, je perds beaucoup de temps là, mais je focus énormément le phare. On a pas de mini pot là? Ah, un coffre là, on va voir. Non. Tant pis, y a un kit. Y'a une autre slurp. Bah écoute, je sais pas. Je vais en boire une. Au moins, je serai à 75. Que j'aille pas au sanctuaire, ça me baisse quand même pas mal de stuff en vrai. Bah, c'est 3 coffres, beaucoup de. Caisse de munitions. Je vais y aller tranquillou là. Bah, j'arrive avec toi.
J'ai deux kits. Ah, j'ai lâché un. Ah, je suis un connard, j'ai lâché des kits. Parce que là, en soi, les kits ils ont servi. Hein. Ah, oui, ils ont grave servi. Il y avait un. Il y a un snipe au milieu. Ouais, je l'ai lâché. J'ai les grenades. Et le kit. Dans la dernière maison que j'ai fait, c'est la dernière que tu fais d'habitude. C'est pas grave. On a le temps d'y aller après. Ouais, et puis quand on repassera pour aller vers les fights. Ou alors je te donne la slurp et vu qu'il y en a deux, on peut en faire 4 kits. Ouais, de toute façon, la slurp, moi je fais 50. Hein. Ça peut être worse, je sais pas. Il y a des failles là. C'est ça que je perds énormément de temps maintenant à la farm. Mais pour l'instant, je me suis pas. Ouais, sauf la dernière game après avoir fait 10 000 ans. Je me suis retrouvé un peu. Y'a pas de faille là. Y'a une faille. Y'a mini pat. Lâchez la slurp. Je vous entends. Non, je suis en train de la descendre. Merci. Putain, sur le dernier coffre. On a vraiment pas de chat en ce moment sur les shields, hein. C'est incroyable. Ouais. Par Congo, il y a une faille à côté de moi. J'arrive. Il y a un fight fatal, je crois. Ouais, je suis pas très bien construit tout là, contrairement d'habitude. Ah, les grenades, je prends. Attends deux secondes, je fais la voiture. Pas fait exprès de tomber. Ah non, je peux pas, j'ai pas le temps. Bon, du coup, vu qu'il y a eu un fight fatal, potentiellement. Dis-moi où on va. Il y a le coffre des pierres qui a pas été fait. Ouais, mais on peut pas, ouais, on est pas, c'est loin. On peut pas aller sur la montagne là? Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire, il y a le coffre. Je vais te gratter des coffres. Ah bah j'ai bien fait, mini pot. Thompson. Ah, ce coffre. Pompe chasseur là, si t'as pas. Ouais, j'ai. Devant nous. Juste en bas Coco. Où ça? Devant moi. Je vois. Il y a des gens qui ont pris des failles à gauche, faire gaffe. Ouais. Attends mais du coup ils vont regarder les mecs qui ont pris la faille. Vas-y viens, on essaie de les suivre rapidement. Ouais, ils tirent sur les mecs qui ont pris la faille. Ouais, c'est de l'autre côté de Dusty. Non, en fait, on est dans la merde. On va les suivre pour l'instant. La zone est vraiment loin. C'est après Dusty. Attends, là on va avoir la hauteur sur eux. 1 minute 30 pour aller de l'autre côté. Il y a une team à gauche aussi, une montagne. On lui tire dessus le mec? T'es prêt? J'ai l'impression qu'il est tout seul. Ah, j'ai plus. Enfin, il est sur la droite. On l'a pas vu comme ça. Il monte. Je sais pas. Il est en bas. Je suis encore. Il m'a mis super mal. Oh, t'as tout pris.
m'a fait super mal. Tu veux lui mettre un kit ou pas? Non, j'ai un feu de camp. Je préfère utiliser le feu de camp, le kit sera plus utile. Ah, quoique, je sais pas. T'en penses, mon petit coco? Kit ou feu de camp? Bah, vu que après, au pire, je suis à. Après, au pire, je suis à 125, hein, c'est ok. Ouais, par contre, tout le bois que je suis en train de faire là, c'est le Lover Extend, hein. J'ai ramassé 999 de bois sur lui. À gauche ou droite? Le mieux c'est de prendre la droite, je pense. À gauche, il y avait un fight montagne shifty. Ouais, mais en fait, si les mecs sont dessus. En fait, tu sais, cette montagne là, tu feras attention, tu regarderas jamais en bas à droite là. Alors qu'en bas à gauche, c'est susceptible parce que tu regardes côté tilted. En fait, faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas des gens qui sortent du trou. Donc ils sont en montagne. Je pense qu'il y aura des gens en place d'acier. Il y a une team en face de nous. Dusty. Ils vont à Dusty. Ils sont dans les dépôts? Bon, ils y vont, ils sont derrière. Ils sont, tu vois la construction, ils sont juste un peu après. Ils sont dans le renforcement. Ah, oui, je vois. Ils vont peut-être remonter usine. Au pire, nous on peut prendre usine, c'est limite des zones. Donc construit, ça veut dire que quelqu'un les a vus. En bas de moi, Coco. Non, ils sont à l'arbre. Touché deux fois 60, le mec en face. Attends, faut que tu es notre équipe là. Je touche un mec à gauche. Ah, il m'a fait tomber. Recule. Et c'est peut-être, ils sont peut-être ensemble. Bah, le mec à gauche, touché 60. Fait tomber aussi comme moi. Ouais, je mets un kit. C'est en train de se battre. L'autre, j'ai remis 60, je sais pas. J'ai un fait de camp, c'est mieux qu'un kit. Tu remets. Ah, y'a des mecs derrière! Viens, viens. Ah, tu fais quoi? What? Oh non, y'avait un trou. Fais gaffe, c'est toi, Coco, il arrive. Il va me tuer. Ouais. Au pire, essaye de partir. Et là, il va prendre les popos et tout, il va se mettre bien. Putain. Pas de chance pour le coup. C'est eux, ils sont partis. Non, mais t'as une autre team. Ah, t'es collé. Il y a les trois teams. Je suis collé. C'était pas eux qui m'ont tué. Attends, à droite. Là, il m'a c'était encore une autre team. Pense. Il était au-dessus à droite. Ah, ils étaient au-dessus de moi, ok. En fait, ils ont pris la structure des autres qui m'ont tué moi. Okay. En gros, il y avait 4 teams. Non, en fait, il y avait plus que 4 teams, je crois. Regarde. Ah, putain, dommage qu'on les ait pas. On fait là. Que 2 points du coup. Là pour le coup, en plus je me suis pris une balle de snipe dans le dos au moment où je construis, j'ai trop la haine. N'hésite pas à te faire une T3 direct sur un top qu'on a mec hein. Non mais c'est... là je pouvais pas en fait, il m'a détruit lance-grenade, il m'a fait tomber. Du coup j'ai voulu revenir, et j'ai repris la hauteur et en fait justement j'entendais pas, je me retourne et... bah il y avait des mecs qui ont repris la hauteur. Enfin qui avaient pris la hauteur pendant que nous on se battait. Moi je les ai mal joué là. Là pour le coup c'est pas de chance. Ah bah... vous avez pas mis la scène. Rip. Pas grave les gars, y'avait pas grand chose à voir. On a pas fight tellement. Non, on s'est fait backstab de tous les côtés. Est-ce qu'il y avait des mecs là aussi là? Ah non mais là y'avait en fait... le mec que t'as attaqué c'était le mec de la même team que j'ai attaqué. Sauf que après il y avait des mecs en dessous à gauche et il y avait des mecs derrière ceux qui m'ont touché. Non, on a mis en plus moi je voulais rentrer dans le hangar, je voulais pas
Bah en fait le problème c'est qu'ils avaient tellement d'explosifs de merde qui nous ont fait tomber tous les deux et... Ouh, la balle de sang s'est pris. Merci Smokey Noob. Mais vous que j'avais trop le seum, hein. Quand je me suis pris un coup de pompe, j'étais en mode mais coco, t'avais bien couvert derrière. Je regardais pas derrière moi. Non mais t'avais mis le, tu sais le, un mur et moi je pensais que bah, j'étais couvert et je me suis pris la balle de pompe et j'étais en mode mais il y avait pas un trou. Ah oui si en fait il y a un mini trou, je viens de l'apprendre. En même temps c'est la première fois que je me mets dans ce corner. Mais c'est pour ça moi je voulais rentrer. En vrai je voulais rentrer dans le hangar. Pour ça quand tu m'as dit tu fais quoi, j'étais en mode bah je l'ai. Mais non t'allais de l'autre côté toi. Ah moi je t'ai vu avancer vers le mur, je t'ai vu avancer vers le mur là. C'est pour ça que j'ai fait tu fais quoi, tu vas où? Parce que t'allais vers l'autre équipe, en fait. C'est ça que je te parlais. Moi dans le hangar ça m'allait hein, mais parce que moi de base j'étais dans le hangar et je suis sorti justement. Mais justement je voulais te rejoindre. Et l'autre team était juste au-dessus, je voulais qu'on s'enferme dans le hangar, c'est pas grave. Je savais qu'en se mettant dans un coin là on allait pas l'être bien. Merci Floki. Ah merde, faut qu'on quitte là. Combien? Oui. Ouais j'ai quitté. Oh là de toute façon c'était sûr. Merci. Putain, on a fait qu'un kill du coup, je suis deg. Ça nous fait 3 points, après c'est toujours 3 points à prendre, mais bon. Non, 2 points. 2 points, ouais. Ah! Il a très bien joué le mec là. Ouais, il a grave bien joué. De toute façon les gens si je change pas de scène allez direct sur le live de Coco hein, parce que je ferai pas du tout gaffe de tout le long de la game. Wayne trying to track down the opponent's teammate. He got that grenade knocked down. They're just waiting to see where'd your buddy go. Where are you hiding? All right. Oh, hit it from outside. Oh, but it's okay. Amar was there and finds the elimination. Now here's the thing. They're also getting third party. I was gonna say neither of them actually got the knockdown on the. Rice was the one that third party and got the elimination. There we have Gabby and Fixer still alive, hanging out in Lazy Lakes. Gabby needs to remember that the best way to take out her opponents is to click on their heads and just win. That is a Dr. Lupo specific tip for anyone out there looking to level up their game. Don't forget, click on the head. She's got that green arrow. The knockdown, she's going for the thirst. Gets fixed. Hey, en plus, j'ai regardé à droite quand je suis remonté. Hein. Mais j'ai tellement pas. J'ai vu l'ancienne construction, mais j'ai pas, je m'attendais pas à ce qu'il y a un mec. Non, non, mais j'ai vu comme toi. J'ai vu l'ancienne construction et en fait, ils ont squatté la construction. Oh non! Somebody's got an angle. Même moi, j'ai pas vu. Ils ont fait zéro son, ils sortaient du gaz. To protect herself. She's in a similar structure for like a. She's got a backboard. Les mecs qui nous ont tués? Non, du coup, c'est les autres moi qui m'ont tué. C'est pas la même équipe. Non, tu veux dire ceux qui m'ont tué? Eux, mais non, mais même ceux. Ouais, ouais, si, ceux qui t'ont tué. Parce que tu sais, je suis parti après derrière le dépôt me soigner, mais vu comment j'ai pu me barrer avec les construits, sachant que j'ai un peu fait ce que je voulais faire, je pense qu'il était clutchable. Tu me fais pas assez confiance pour ce genre de play, mais 100% c'est des mecs clutchables. Si je les rencontre genre en MM, j'essaie de les clutch et je. Moi, je t'avoue que j'ai même pas pu jouer. Hein. Y'a pas eu de duel là pour le coup contre eux. Genre déjà, l'autre il me fait tomber avec deux coups de lance-grenade, je sais pas pourquoi ça pète le sol. J'ai même aussi ma super bien fait tomber avec l'Angrenade, il jouait bien. Mais il y avait un RPG aussi. Hein. Et après, quand je suis remonté, je me suis dit, je commence à construire une tour. Et là, j'ai entendu bruit. Et bah, le temps de react, la balle de snipe est passée entre le mur et. C'est la fameuse balle qui passe juste avant que ton mur se construise, quoi. Enfin, j'ai bougé, hein. M'a mis une sale balle. Ça c'est dommage de perdre des points sur une double. J'aurais bien aimé qu'on fasse au moins 3. Bon le coup il y avait tellement de teams qui sont sortis de derrière, c'est incroyable hein. Bah toutes les teams du sud-est hein. En plus de... Je voulais juste prendre le top en gare et... On fait pas assez attention à ça, c'est pour ça parce que tu te rends pas compte mais on a failli vraiment longtemps. On fait pas assez attention sur les mecs qui peuvent flanquer.
Ce qu'on s'est dit en plus hier en mode on prend, enfin on fait jamais des fights trop longs, genre soit on va direct finir les mecs, soit on se casse. Ouais, j'aurais peut-être dû rusher, après j'ai. Non, mais sinon, j'avais pas envie de lâcher le top hangar. Ah oui, non mais c'était pas non plus hein. C'est pour ça que moi je faisais des T3 et en mode des T3 où je me couvrais de partout, tu vois. Et à chaque fois il me faisait tomber, et après je suis parti dans le hangar du coup quand il m'a fait. Non, mais t'as fait exactement comme moi. T'as fait tomber du hangar et après bah. T'as remonté quoi. Et temps de remonter, bah c'est les autres qui en ont profité. En fait, on n'a pas eu de chance, c'est nous qui avons pris le backstab. C'est pas une histoire de chance, c'est que je te dis du fait qu'on a mis le backstab. Les mecs en face ont super bien joué avec leur explosion. En plus, c'est que là, je voulais même plus leur tirer dessus, je voulais juste me faire une T3 et attendre. Malheureusement, ils sont arrivés à ce moment-là, les autres derrière. Oh, masse grenade là, ça va faire du kill normalement. Oh non. Ah si, non, mais. Oh, bon. J'ai l'impression d'avoir peur de mec. Donc, gratter 2 kills là. 3. Holy cow! Moi qui ai le gratos. Ça c'est frustrant quand tu te fais tuer comme ça, sans te battre. Just a ton of free loot. Oh, the edits and they find another team. Unbelievable, Lolito coming in. With this team, and that was actually Ednex, the king had kingpin bonus from last game. Going down right there to the surprise edit from Lolito's teammate there, just popping the roof up, and Power and Jarl still hanging out here. 4 eliminations. Oh, dude, so they have wrecking ball for next game. Right now. Yep, because Power has 3 eliminations. Based on even just that one grenade. Absolutely ridiculous. J'avoue qu'en fait, ils sont tout le temps à la fin. We better get us a clip of one of the guys that got grenade. J'avoue qu'en fait, I want to know their reaction to a single nade just flying in. The snipe shot. Let's go. Right in the head. Gets another elimination, puts him at 5. He's almost a wrecking ball on his own. Lupo, they are fighting for this number one spot. They know their players with wrecking ball. They know there's a player with the kingpin bonus, and they're saying, look, we are here too. Let's play. We want these points. Raz moving forward, trying to sneak his way down, but he's kind of in a position. He's got to move. 33 seconds left, and the storm is moving, so he doesn't have a lot of time to get in the safe zone. And people are just watching. He's got people behind him. He's got people in front of him. He's got people taking shots. He's dressed up for Christmas, and it's not even Christmas. What do you do? Yeah, look, he just has presents he wants to deliver, okay? He's just trying to make it back to the North Pole. It's okay. I don't blame him, all right? Those reindeer are not going to feed themselves, Zeke. Oh, c'est fini pour lui. Maybe they will, their magic, and they can fly. I have no idea what they can actually do. Dear Santa, please fill me in on the abilities of reindeer. Thank you. And signed Dr. Kubo. He's got people up in front of him, he's got a build up. Oh, he's trying to explode him out, knock down everything. C'est des mecs qui font and now he's non, mais c'est des mecs quand ils font vraiment que du turbo build. He's in the safe zone now. Avant ah bon? Quand ils font que du turbo build, du coup ça fait en baron, en baron, en baron, vu qu'il lâche pas. Ah, je savais pas. He has to move directly north. And I have a pretty strong feeling that he's got some people that would disagree with that. Oh, c'est pas mal. Doesn't matter though. Guess the shotgun shot swap the SMG. Ah, vas-y, faut que ça soit un peu plus comme ça. Moi, je te jure, je suis vraiment en mode de passer comme si... Use that common SMG and you get that elimination, my friend. Good push. Franchement, c'était très propre. This is the match we're talking about, right? When you place a wall, you can edit that wall. L'autre était en train de se quitte. So you saw he immediately blows the wall out. Oh, la tristesse et la petite balle aussi, l'autre. And now that's it. It's almost like a fish in a barrel effect, right? Oh non, comment c'est triste. He's gonna try and sneak his way in. The gopher technique coming out. He's gonna build the, just put it, you know, a little ceiling up above himself. He's pretty exposed right now, sitting on only 200. He can make 26 metal surfaces, and that is it. 25, 24, 23. They're counting down. Please, Raz, hold on to some materials, brother. You gotta just wait. Be paid. Oh, just kidding. You found a stash. Never mind. It was only 2 bricks. just a brick. Up top here. This is kind of above everybody. We've got a back and forth little edit surface going here. He's vraiment comme à l'ancienne. Brick, kind of protecting himself underneath. Power and Yarl. Ça se voit que c'est deux points. There's 4 players left. It's 2v1v1 right now. Yep. Here we go. Somebody sneaking on up. Hello. We own the top. Should be Razor, I believe. Oh, the storm is ticking for a ton right now, man. Yo, where I am? Somebody's mixed up underneath Jarl. Power and Jarl just play this. 40 rounds in a mag. Just hold left click to win. Yeah, man. Or yeah, even this. Just walk up and just try to place the wall, own the wall that you can.
He sees he's building up. He tries to get up above him and actually does so successfully. The pyramid trying to block the shots, but he's gone. Gets the elimination. C'est très osé quand même ce qu'il a fait. This is a 2v1. Il a tenté de reprendre la hauteur sur deux mecs. Looks like power potentially has. He does have line of sight on him and Jarl could stand. It's Gabby. On va les Fnatic qu'on gagne. Okay. 2v1 situation. No pressure, but they all have a lot of weapons above you. Be careful. Look at this power trying to close the gap, Lupo. It could be as simple as a explode drop in one or two. It could be, like I said, the compact SMG spray. They're tracking her underneath. You saw her jump between that little edit wall in there, trying to sneak away, shoot from outside. She's building around. She's doing everything she can, put up as many surfaces as possible. The double layer is super important. She's doing a good job of that, but this might be an impossible task. I think Jarl has a minigun right now. Here we go. Look at this. Gabby is right here below them in a 1x1 metal box. Bro, you wanna jump and shoot? Do you want medium light bullet? Yeah, he's below the stack. See, they're planning their attack here in a second. Just put down all the light ammo. Look, he's saying, I have a minigun. Here's some of my light bullets. Oh, and they drop in. But in medium. Dommage. Une balade. He's doing the dance, Lupo. Just too hot, man. Just too. Oh. He is working it out. There well you go. That's how you do it. You get a victory royale, and then you immediately start the workout. What a set of plays there at the end. Hats off to Gabby for last until the very last second. Oh, on est tout à la fin. Ouais. Terrible nouvelle. Merci, Vulcan K. Bah, en vrai, c'est un désavantage. Hein. Je t'aime, Kitty. Oui, je sais que c'est un désavantage. Merci, Alaskin. Parce que du coup, t'as moins de temps pour farm. J'essaie de m'amuser à compter tous les mecs qui sautaient. Ouais, c'est super long. Ok. Et comme par hasard, là, j'ai envie de jouer au sniper, il n'y en aura aucun. Pas de gens essence. Il y a 3 failles côté essence. Il y a 0 faille à droite. Les gens usine. Il y a des gens qui viennent le killing mec. Vraiment gens... Ouais, non, ils sont au début de la ville. Non, pas vers moi ville. Non, vers les bâtiments, ce que je fais après. Ce que en ce moment toi tu fais après. J'arrive face, j'ai pas de chine. Mais je suis safe, hein, il me rush pas pour l'instant. Ouais, mais faut quand même que j'arrive fast. J'ai trouvé du shin, je tranquille. Alors il y en avait un bâtiment ouest et un nord-ouest 330. Tu sais le petit bâtiment à côté de toi, il est en train de... moi. Ouais. J'ai tenté de tirer, il est parti prendre le coffre. C'est le coffre en haut là. Ils sont pas le rejoint, nord-ouest 330, ils vont derrière la ville. Non, il est sur le toit et l'autre le rejoint sur le toit. J'attends des balles. Ils sont nord-ouest 330 pour toi, ils sont ouest 285. Ils étaient sur le petit toit du vers la montagne. Tu sais, il y a un escalier qui monte vers là-bas. Je me demande s'ils sont pas en dessous. Mais ils se barraient, hein. Ils se barraient vers où, c'est ça le problème? Bah, vers nord-ouest. Après, peut-être qu'ils font le tour, peut-être qu'ils font des trucs, hein, mais. On va au failler tout, non? Ouais, go. On va essayer de faire le temps.
Attends, j'ai déjà fait. Entièrement? Ah ouais. Bon, en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas de shield. On barre du côté où je vais là? Oui, oui. Ah! Mais non, ouais, pour moi c'était pas du tout là, ok. En fait, mon nord-ouest pour moi c'était genre ta station d'essence. Oui, non, mais après j'ai dit pour toi c'est ouest 285. J'avais dit la position pour toi exprès. J'étais dans mon move par de. Par rapport à moi que c'était nord-ouest. Ok, ok. Dommage. En plus, ça c'est vraiment le truc que je fais tout le temps, donner la position par rapport à la team. Genre. Ouais, non, mais sur le moment j'ai écouté ton premier call et après j'étais concentré sur où est-ce qu'ils étaient. Enfin, bon, par contre, zéro shield. Après, il y a peut-être des bâtiments qu'ils n'ont pas fait. Hein. C'est pas les deux bâtiments que je faisais en dernier et celui d'après et ceux que je fais habituellement, ils ont été faits. Enfin, un de ceux que je fais habituellement. Oui, ces deux-là, ils ont été faits. Mais du côté gauche, peut-être. Par contre, on peut peut-être aller à la station service. Bah du coup ils l'ont peut-être fait la station service pour le coup. Non mais je parle de station service est. Ok. Faut pas avoir vu de personne là-bas. Il y en a des failles. Ouais, j'ai une perte de FPS. Et moi aussi j'ai pas de shield pour le coup. On a 3 minutes pour faire cet endroit si jamais elle n'avait pas fait. Mais si là, ils l'ont vraiment joué sniper. C'est pas fait. Il y a des gens. Mais il est pas fait. Ah, ils sont tout au fond, c'est ça, 75? Ah ouais. Une fois. Pas touché. Tu m'avais vu donc j'ai tiré. J'ai un shield, jamais. Ah, le problème c'est que j'ai barre ou pas un qui s'est barré vers nord-est 30, il me semble. C'est pas sûr. Non, un qui est en face. Il tombe. Et son pote il a le sniper. 33. Celui qui est devant et l'autre il a un sniper derrière sur la constru. Je peux pas construire. L'autre il a un snipe. Les deux me visent. Touché 33 le mec à droite. Il met du lance-grenade. Il est derrière. Putain, il m'encule. Je suis de ouf. Ouais, si. J'ai pas de heal. Ça prend un pétain mes gros. Gaffe, il remonte. Nice. Je joue pour toi, hein, me sauve pas, tant pis. Nice, t'es un monstre, tu peux me soigner? Ouais. T'as assez d'HP? T'as des bandages? Oh là là, mais t'es un monstre, Mika! Moi, je me suis fait foutre, j'en avais un en bas et un à mon étage, du coup. Il a géré, mais par contre, il m'a laser avec sa SMG silencieuse. Hein. Tu sais, quand je t'ai entendu te battre, je suis venu direct, il m'a laser de ouf. Il m'a laser aussi. J'ai pris des coups de pompe. Faut que je remonte. Prends le kit du dernier. Ouais, tout le loot, je crois que tout est descendu. Ouais, par contre ils ont pas de soin.
Je t'ai donné des bandages, tu les as pris? Oui, 5. Ok, je vais prendre le kit. Regardez s'il y avait du loot, il y avait une carabine. J'ai pris la carabine, j'ai lâché lance-grenade. J'ai deux grenades, si tu veux les prendre. Faut qu'on se dépêche. J'ai des grenades collantes, moi. On est pas si loin que la salle de la zone. Contrôle du mini-shield, je vais perdre un peu de PV et... Ah, t'aurais dû la prendre, putain, dommage. Putain, GG mec. Plus de construction. Et plus que 200. J'ai trop utilisé. J'ai ouvert le tiens, je te mets la, hop, la moitié de mon bois et de mon... ma brique. Bon, faut qu'on farme. Et trop overbune. Faut qu'on farme et qu'on trouve des petits trucs laissés, quoi. Prochaine zone. Ah, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah, en face, on de, nous, en face de nous. On est en face et... Attends, essaie de pas te montrer, il y a des petites pommes là à manger. Je peux tenter une balle de carabine. À droite aussi, fais gaffe. À droite? Il nous voit pas à droite. Ah oui, il nous voit pas. En nord-est. Oh putain, c'est compliqué là. Oh, attends, en vrai, tu peux fight. En vrai, vaut mieux pas qu'on fight. Ah si, vas-y, ils sont en deux teams. Attends, j'attends qu'ils se battent un peu. Attends que tu mettes un coup de carabine. Ah, ils nous ont vu, fais gaffe. Ils ont vu, c'est toi les touché. Grands ouais. Il est low, un cap de shield. Je meurs par une C4. Il y en a un qui est low. J'ai touché la grue. Bah toi hein. Et au-dessus de toi. Descends, ah dommage. Ah, c'est l'autre que j'avais vu qui était de l'autre côté. Par contre, c'est normal que la C4 me tue malgré qu'il y ait un mur. Normalement, il n'en faut pas deux. Ah putain. Moi, j'ai pris un laser. Hein. Au final, c'est nous qui avons pris le focus. Même si on est sorti. Le bien, c'est qu'ils sont retournés parce que t'as mis les grenades collantes. Dès que t'as mis les grenades collantes, il s'est retourné, la bulle de notre côté. Ouais, je sais, mais j'ai voulu profiter que. Genre qu'il se battait, j'en ai touché un. Moi je suis resté sur ton call, j'attends que tu mettes la balle de carabine, donc moi j'attendais juste qu'il bouge plus là, qu'il vise le mec. Ah mais j'ai cru que tu m'as dit c'était bon. Ouais, je sais pas, j'ai vraiment des problèmes moi. My bad, j'ai ruine. Merde, faut quitter. J'aurais dû prendre mon temps, c'est my bad. C'est trop agressif pour le coup. Ça me saoule de choc. Un de ces quatre de merde, non. Il était vraiment low celui qui m'a mis de la C4, ça m'énerve. Ouais, parce que j'ai enlevé tout son shield plus 37, et après je l'ai tout seul à la SMG silencieux, j'ai continué à spam mais qui tirait dessus. Après, t'as acheté de la C4 bien. Ouais. Il y en a un que j'ai touché à la grue, bah ça veut dire que c'est peut-être son pote alors. Bah les deux étaient à 50 HP là, sans le shield. Là, ils ont très bien mis la pression avec le C4 hein. Bah moi il m'a tué avec ça hein. J'ai fait un wall au-dessus de moi et ça m'a quand même tué, j'ai pas compris. Là j'ai essayé de prendre la hauteur rapidement sur lui, il l'a mis donc j'ai eu le réflexe de mettre l'SK mais putain ça fait toujours aussi mal le C4 en vrai. Pas autant qu'avant mais putain, ça cloche quand même bien. Mais je t'avoue que j'ai pas compris comment ça peut me tuer. Bah moi je m'en suis pris un comme ça hier aussi. Où genre j'étais dans ma constru et le mec a mis un C4 et je suis tombé alors que j'étais circle. Mais normalement j'ai fait, mais attends, code de piquant ça passe à travers. Ah non mais... Oui, non, mais... C'est la même réaction que j'ai vu. Et hier j'ai vu ça aussi. Que normalement faut en mettre deux, on est d'accord. Après peut-être qu'il en a mis un deuxième que j'ai pas vu. Ah merde, je l'ai vu. Merci chat. À chaque fois il y a 2 minutes de bonus du coup. Oh joli.
Ah mais c'est un joueur PS4. Qui? Joli. Le mec là qui vient de... J'ai tué un gars. Well played from Gabby to come. Il a mis un sale truc. Little back and forth, un petit jump turn. Man. Franchement, il joue bien. Oh non, la tristesse. This mountain, il y a un jump dessus. Those can get kind of crazy, especially if you have you ever. Non, j'ai la haine. Okay. All six surfaces put bounces on them and just hands up. Non, mais c'est pas. Franchement, c'était pas touch avant déjà. On aurait fait 0 qui faisait le point. Don't try that at home, kids. Don't try that at home, kids. Don't try that at home, kids. Et en fait, d'un coup, il s'est retourné d'un coup en mode il s'est protégé de moi. J'avais l'impression, mais gros, comment c'est que je suis là, genre. Et au final, c'est avec les grenades. Oui, j'ai jeté les grenades parce qu'en fait, j'ai vu les 3 mecs en contact et je me suis dit, ils vont se fight. Et tu sais, j'ai voulu faire comme les Fnatic, genre ils vont voir des bruits, faire des kits. Sauf que bah, en fait, ils sont pas fight. Just does a quick replace to see who might be. So there is someone down here, and I think there is the 76 and switches. One of the solar guys stuck in the bottom. Il avait plus de construction. Tough 2v1 spot. And of course, as always, another team is watching. They're just saying, okay, you guys fought it out. Let us do our thing now. Yeah. We'd like in on this, please. We'd like all your health bars and your eliminations. The drop down, there's an attempt at building the catch. Non, t'inquiétez, que tant qu'on n'est pas dans le top 10, on peut pas rester par rapport au serveur. Ah, mais en fait, d'accord, il joue sur PS4, mais. Enfin, il joue sur PC avec manette PS4. What? Bah c'est pour ça que c'est comme ça qu'il change sa résolution et qu'il a des FPS, regarde. Ah ouais. Donc en gros il joue sur PC. Bah pour avoir plus de FPS. Bah parce qu'il est plus à l'aise avec manette, c'est un monstre avec manette, sauf que du coup il a pas le défaut d'avoir 60 FPS. Ouais, je vois. Il vient de se faire laver. Ah, mais lui il nous a tués, hein. C'est quand on était dans l'eau. C'est lui qui nous a tués dans l'eau. Hein? T'arrives à te souvenir des noms? Ouais. This is Capture and Young. Mon nom m'avait marqué parce qu'il y a des codes dedans. C'est vraiment des mecs qui quittent pas quand ils sont morts, c'est incroyable. Bah, ils sont comme lui, ils pensent pas, peut-être que leur check-in n'est pas comme. Bon, franchement, je pense. Non, moi, je pense pas du tout. Oh, yes. Oh non, il a pas eu le temps de le save. Tu mépris, ah, c'est un joueur PS4, donc c'est un joueur PS4, donc c'est un coup, c'est un kill. Non, c'est pas du tout du mépris, les gars, c'est juste qu'en temps normal, c'est dur de voir le joueur PS4 au niveau comme ça. Mais il y en a, on sait qu'il y en a, et tant mieux. Capster's the kind of guy who can put on a good show and bring home two more. Et oui, c'est plus rare de voir des joueurs PS4 qui arrivent à avoir une fluidité telle que devant PC. Peut-être pas pareil, mais en tout cas qui rivalise. Be the referee. Say, listen, you stop shooting. Instead, I'm gonna shoot you and win. You go foul. No, now you're down. Foul. Start over. Apparemment, les Fnatic ont été tués par un team de joueurs. What do you think about this? Oh, okay. I think it's pretty good. You know, thank you, Dr. Lupo. You sound like a Muppet. It's terrifying. Back to you. I'm gonna go eat some pizza. Look at that. Look at those. Et ce sera pas remake, à mon avis. Peering into my soul. Yeah, you can see everything. All right, he sees everything. He knows what you had for breakfast. Non, c'est horrible parce que ça se trouve, l'équipe de viewers, c'est des envoyés de mecs qui sont partis pendant le temps. Eric et Tamo. Ouais. Je pense que c'est plus ça, vraiment. C'est un. Mais parce que sinon, il y aurait beaucoup plus de random. Si la clé aurait été. Et c'est horrible quand même. Non, mais il y en a pour de l'argent, gros. En plus, il n'y a pas vraiment de sécurité là. C'est comme par hasard. Au Shadow, tu peux tricher. Ah oui, bien sûr. Tu sens la hate en mode là, c'est des joueurs pro. Lighting up my life, not as much as you light up mine, Lupo. Il faut que tu fasses gaffe parce que si un jour ça c'est, si les mecs ont des conversations ou des machins comme quoi, battu les fanatiques ou j'en sais rien, ah oui, oui, ils vont black les mecs sont black vie, quoi. C'est trop dommage parce qu'ils en sont là dans le tournoi, c'est-à-dire que. Apparently not anywhere nearby to secure the save on his buddy, switches out for that purple. Parce que pour que deux games d'affilée, les mecs trouvent de code. Ah bah apparemment c'est pas les seuls. Ah si, Power c'est un Fnatic. Top of chimney rock there, so Eric could take an opportunity, he could snipe up super quick, but they do still have the teammate hiding in here somewhere. Somebody's gotta be in here. Sniff him out. Pas si disent que ça restart ou pas. Look, so there's two teams, so there's one up on chimney rock. Ah parce que en plus c'était en x3, ah oui c'est horrible. Mais c'est pour ça.
And now there's a player somewhere below them. Bah, je pense que même si c'était pas en x3, genre... Est-ce qu'il y a l'aide à la visée avec la manette? Ouais, normalement. Dès que t'actives la manette, je crois que t'as la visée à toi, même sur le jeu. Il édite super vite, Eric. Il est impressionnant sur tous les jeux, quand même, ce genre. Ils ont une chance de kind of... They can root around down here, right? Lui, c'était un des meilleurs joueurs à H1, non? Moi, c'était le meilleur. The trap, Tomo goes down. Paint's trap, gets Tomo. Il y a 10 milliards de saisons, il était bon. Oh là 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 là. Life. Eric, well played. On what a save. Yeah, so quick edit of the window. Il aurait dû finir le kill en vrai. Toutes les saisons de H1, c'était le premier placement. Basically blew his legs apart, you know. Just a shot down. Il y a plein de gens qui disent il y a un restart et tout, mais je vois pas d'admin média. That player off guard because as you saw like they were they're moving around, hit him with the slugs and then they hopped and tried to look toward him and find where the shots were coming from. And then he just put the nail in the coffin. Bah, ça se trouve, on va faire 0 kill la prochaine. Well read. Oui, mais même, enfin, moi je sais qu'on peut faire plus. Tomo's gonna write you a thank you note later, I'm sure. Oh, yeah. It'll be done in calligraphy. He's like, Santa, listen. Il construit tellement vite aussi, Tomo. 10 out of 10 player. Thank you very much for saving. C'est un truc que tu t'entraînes à le faire en playground pendant une heure, mec. Tu fais aussi bien, c'est ce que ça peut être facile de faire. Il a pas une ressentie pour le moment. They're trying to sneak their way into the safe zone. Attends, il y a vraiment des dits sont seul en même temps de coster. Do the safe play. All sorts of crazy structures built up on all the hills and mountains around. Mais ça te rend pas compte, Mika, il y en a beaucoup qui le font maintenant. Mais ouais, pourquoi il bougeait pas? Evil goes down. Lupo, what's the move? You don't stand still. Non, c'est la game d'avant. You just can't. Now, I will say this. Evil was wiggling ever so gently, but... Non, mais ça, Mika, ça c'est l'entraînement qu'on doit faire en playground. Here we go, the thermal hunt trying to track down. Genre, tu te forces à le faire plein de fois, et... C'est pas complexe à faire, ouais. C'est juste des automatismes à choper. Late. We'll see here in a second. Elimination pops up for them or not. If that, or yeah. C'est dommage, Eric, il a fait tellement une mauvaise décision. Il a voulu tenter une balle de scope alors qu'il avait juste une balle à mettre au mec qui avait couché. Je pense qu'avec l'aéroscope, c'est il le tient. Very shiny helmet, distractingly shiny almost. Maybe that's one of Kinstar's. Maybe that's a strat. Run a helmet that's so shiny. Ils ont dit qu'ils vont pas restart. It reflects the sun, blinds them. I can't see. Oh no. Oh, it's Kinstar. Les admins ont dit qu'ils avaient pas restart. My monitor's turned off. It's not actually that bright in game. Everything makes sense now. I still think it's super cool. You can see in the background. Je vais pas me vanter, mais moi je suis presque aussi fort que lui. Bah écoute, on le verra dans les tournois alors. From Solary, still in there, still playing, still alive. Et aussi fort. Still building. I'm getting close enough to the monitor and I'm trying to see what's happening on the other. Oh, now you just made it more difficult for me. I'm just kidding. It's okay because now we have the little penguin guy. Oh, penguin's back. Hey, how you doing? Hey. If you just want to win this game. Après si les teams ont quitté, c'est de leur faute hein, par contre hein. Les admins ils ont pas dit qu'il y avait Dreamhack. Oh Jib, ça veut dire qu'il y a Kin pas loin. Oh dommage. J'avoue, ils étaient tellement dans un petit trou, tu peux pas t'y attendre. C'est n'importe quoi la pose qu'ils ont. Je jure. Jamais j'aurais pensé qu'il y a un mec ici. Je me serais fait avoir comme lui. I feel like it's Reggie. Reggie, ok Reggie. La vidéo toi tu peux la retirer, ouais, mais c'est pas dans son intérêt à la PS4 de retirer la vidéo toi. Ça lui fait un avantage. Gerald the penguin. Painless and just hanging out over here. Somebody is stuck in this metal box. He's gotta try and save his teammate. Ah non, son pote s'est fait tuer. En plus il avait un HP. You know, il est en train de se faire brain. Oh, bien fait. Catching the opponent rotating out, he's trying to build. Look, oh. And he himself is not from above. Eric and Tomo watching. Tu sais, faudrait mettre le to be continué des avec la musique. I'm scared. I feel like everyone has. On connaît tous la fin de l'histoire en tout cas pour lui. Topski was a penguin. Fini le nom. Gerald, are you okay? Penguin can't save you this time. What a shot! Excellent shot. Ils ont fermé ce qu'il a Eric et Tomo. Oh le bloom. Tomo and Eric trying to take an opportunity. Another one coming. Body shot, not a head shot, so no knockdown there, but a ton of damage. Franchement, j'allais prendre 5 million just on the spot. Ah, il joue sans heal. Ah, après il en est pas. Oh no. That's gonna be tough. Take it easy. That's gonna be tough. Tomo, no. Well, okay, let's take it. It's on Kinstar. It was a power play. It's like, hey, you know what? I'm gonna throw these. I need my own structure. Yeah, you know this what? Boom. I'm gonna knock your stuff down and my stuff. That's what did I think about it? This fight. Uh-oh. You see, probably if people see my structure explode, they probably think like, oh no, they're so chaud. C'est pour ça ceux qui nous ont envie de snipe. Ah, dommage.
Gets Ryze knocked down, finishes the elimination. He's fighting eliminations left and right, Lupo. 81 meters, he's got three of his own right now, and maybe even a chance right here to secure another one. Pretty exposed up top, not a whole ton of cover, and they're going to have to rotate and moving their way in. Now we have... He's still alive. He's got a little bit of high ground, which is good. I mean, not looking great in the ammo department right now, Lupo. 82. Confidence like this, so with a beard like that, who needs ammo? Ah oui, mais t'as pas d'armes, en fait. A quick thermal shot. You can use the thermal kind of look through walls almost as they're still being built, because you can see the little thermal outlines. Yeah, the heat signatures. There you go. Look, choosing the correct terminal. Tomo Eric, qui va en profiter pour se barrer. He's just kind of watching. Yeah, six left. Lupo, this is coming down to the wire. And also, it's kind of a strange spot, right? Because we've had to shift back toward the mountain. Now we're going back around the mountain. Ah, ils ont le top. Non, mais ils sont bien. En plus, c'est dans la prochaine zone. Solid top down of everybody here. Bien, ouais. And there's going to be four opponents below. Two of them down here at the bottom. Eric and Tom will move it up. That shark will, it might have a laser on its head, but you can't use it to attack, which kind of rough. Oh, he's got an opponent using the launch pad too. He's flying. He almost went right behind him. He almost played very, very aggressive there. That could have gotten crazy real quick. Yeah, real quick. He's got a green pump, so you have a really good up close setup. Rarity of the weapon almost doesn't even matter anymore. Just barely. He's getting tired. Oh no, dommage. That's probably. Lolita was on the high ground, but they find an Arctix. Gets the knockdown. En plus, il est bien tout déconstruit pour lui, c'est trop lourd. At this point, it's got to happen with the zone moving and it being this small. Eric and Tomo. Matsuzano's being the last one. Ils ont dû faire tellement de kills. The shotgun shot and secures. J'ai pas vu combien il avait, Eric. Wow. Feels good, man. Clap. Feels good. Claps in the chat. Eric and Tomo secure a victory. Also, for next game, they're gonna activate Kingpin, which means their points will be tripled. Man, things got so crazy at the end there. They really did. Three teams alive in a kind of a mountainside, very vertical build fight, and the number of launch pads. People with bounce pads. You even saw a launch pad pass a bounce pad because you didn't want to get shot off into the air. And gone back, yeah. Oh, things almost got real scary there. Almost got real scary. I almost grabbed my blankie and I would have to hide behind it out of fear. Right, I don't do well with scary stuff, Zeke. Oh my gosh. Now, here's the thing, Lupo. Let's take a look at the standings from previous game. Let's do it. Okay, so this is the previous game where players fell and what bonuses were active, right? So from last game, Etnix takes first place right below them. Points. Fnatic has power and you have the Kingpin bonus, so they had triple points going into this game right here. Lolito also had Wrecking Ball, so his duo had, I'm sorry, Kingpin was last game. Now we have Wrecking Ball for them. And then Amar and Ace have also activated the Wrecking Ball, so their points for this game were doubled. And Fnatic, their points were tripled for this game. Crazy. Man, let's take a look at also the top 20 here. To see where to the, again, ladies and gentlemen, this was for last game. 20e. This is setting the stage for the current game we're in. Mais c'est match 3, c'est pas match 4. You see here, this is another just huge spread of points across the entire list. The tons of people. I love that tons of people are getting involved. C'est dommage, on a bien commencé et là on arrive pas. You see too, some people, maybe, like I said, maybe you do really well one round, you don't do so well the next round, and you just kind of switch it up. But, en gros, les admins, ils ont dit... Wow. Personne leur a dit que le code avait été dink. C'est où dans le classement? On sait pas combien on est sur cette game. C'est un classement par game, les potes. Game d'avant avec deux points, on a fait top 20. Et les games d'avant, on a fait top 2, top 1. Du coup, on amasse pas mal d'argent quand même. Mais du coup, moi, ça me déjà, rassure, attends, déjà, on a fait. Alors, sur les deux premières games, on a fait deuxième de la game et premier de la game. Donc, c'est 4000 et 3000, c'est ça? 5000 et 3000. 5000 et 3000, ouais. 5000 et 3000, donc ça fait 8000. Et en sachant qu'après, on peut avoir de l'argent pour les top killers. Si on est dans le top 3, on a au moins 3000. La première, on est forcément deuxième parce que c'est par rapport au classement. Donc on a 8000, je t'ai dit, première. 8000 plus 5000. On est à 12000 avec. 12800 avec 3 games. Okay. Plus potentiellement un top killer sur la 3ème. Et sur la dernière, je sais pas combien on a. Pas sur la 3ème, on a que 2 kills. Oui, mais on est top 20, donc on a 800. Tu parles potentiellement top killer sur la deuxième. Oui, voilà. Qu'on sait pas encore.
Moi je vais pas retourner sanctuaire parce qu'à chaque fois que je vais sanctuaire, il y a une team. Je crois qu'en fait ils ont un radar, genre dès que je vais sanctuaire, ils viennent. Ouais, là, je les vois pas, mais tout à l'heure je les ai vus vraiment après. En plus, ils ont une tenue sombre. Moi j'ai vu personne, mais reste sur tes gardes. Quand tu me parles comme ça avec mon skin, j'ai vraiment l'impression d'être un super méchant. Mais moi je suis un super vilain. Même si je touche pas les mecs, on va les toucher. Ah, mais c'est bon, le pire c'est que je touche vraiment tout le monde, hein, mais j'ai l'impression que. Ils étaient touchés, mais vu qu'ils avaient la hauteur, ils te mettaient du C4 et. C'était le gameplay quoi. Je garde. Bah non, du coup, perdu. Ok, fatal encore. Après fatal ou avant? Après fatal sur la droite. Vers là où t'es mort, c'est 4. Y'a une slurp ici. Ouais, je suis full. La prends avec moi. En soit la slurp, je vais la garder. Hein. J'ai deux mini potes. Toujours pas de pompe, c'est moi cet endroit. Yes. Putain, la télé ça rapporte que dalle. Bon poteau. Hein? Bon poteau le chien. Et d'un premier étage, salle de bain. Grosse spot ici. Paille. Je vais rotate sur l'autre faille si tu veux avec la faille. On est leur 11 d'art. Ouais, je vais à la station de service moi. C'est bon, t'as le temps? Ouais, t'inquiète. C'est toi la faille? Ils ont pris des failles favela. Non, c'est favela. Il y a des sticks, je sais pas quoi faire de la slurp. Ah, j'ai deux slurps, j'ai jeté les mini popos. Moi je peux les prendre ou pas, confirme. Je jette là le gros chien. Ok. Il y a un autre gros chien. Je l'ai descendu tout en bas le gros chien. Je sais pas où t'es mais. Je vais t'attendre de façon à prendre la faille ici. Du coup, je prends les petits shields ou le gros? Le gros, t'en as deux comme ça. Okay. Oui, parce que t'avais que deux petits shields. Ouais. C'est où à peu près par rapport à là où j'arrive? En bas, en haut. Attends, je vais ouvrir.
Merci mec. On va pouvoir partir avec la faille. Pompe chasseur, je prends. J'ai 3 grenades collantes. J'ai 6 grenades normales. SMG, pompe à air. Allez, go. J'ai un peu plus de 1000 points dessus. Moi aussi. Et c'est encore battu à Fatal, mais un peu plus logique d'habitude. On va où? Je sais pas. Il y a des gens en faille. Ouais. Niveau des failles en bas. Il y a un mec aussi. Il y a un mec tout seul en bas. On va vers la droite sur le mec. Pont. Vas-y. Ok, j'ai touché la balle de pont. Il est où? Je sais pas. Au-dessus, il y a un mec. Au-dessus de lui. Il y a des mecs qui tirent au snipe aussi. Je suis tout dans le mec. Il pète les construits, Il descend. Gaffe Coco, y'a une team. Non Coco. Merci Azerty, yop. Je l'avais mis l'eau, désolé Coco. Bah j'ai mis l'eau aussi. Celui qui m'a tué vient de tuer quelqu'un à SMG. En fait tu t'es fait spam l'endroit où, où j'atterris. J'ai voulu venir cover et... J'ai vu des grenades rentrer pendant, chez toi. Mais pendant le fight, t'étais où toi? A chaque fois, je te vois pas. Je regarde en l'air, t'es mais pas bon. J'ai mis une balle. Mais parce que moi, je monte pas, ça sert à rien de monter mes gaos. Genre, moi, je lui ai mis 2 rafales. Bah, parce que je lui ai mis 2 rafales. Et justement, okay, après, okay. Je suis remonté. Et après, il m'a mis une balle de pompe, je sais pas d'où. Et après, du coup, je me suis cover, j'ai mis une slurp. Et j'ai attendu que. De faire par rapport au sang. J'étais au-dessus des deux, j'étais bien la pression, mais après je suis descendu parce qu'ils pétaient les construits d'un peu partout les gens. En fait je savais pas où était le deuxième. Mais en fait il y avait deux équipes encore qui sont ramenées pour backstab. Ah ouais, bah je sais. On le dépop plus rapidement le mec. Mais pourtant j'ai regardé tout autour, hein. C'est incroyable. Oui bah c'est le temps, ils entendent les balles, ils arrivent quoi. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression qu'il est tout seul lui. Très culotte ce que je fais. Mais j'ai l'impression qu'il est tout seul.
Il est tout seul, on est d'accord. Il passe pas à côté. Non, ça construit pas comme je veux. Vas-y, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, j'ai raté ma balle de compétition, il était tout seul. J'ai pas atterri là où je voulais, j'ai fait n'importe quoi avec mes constructs. Mérité. On a fait 0 kill. Franchement, j'ai honte de cette game là. Attendez les potes, attendez, pause. Je crois qu'on a fini premier du tournoi. Si mon portable. Mais Mika est plus là. Mika, je viens de voir le tweet. On est premier en ayant gagné 17 950. Non, premier en cash, gagné aujourd'hui, on a gagné 17 950. Le deuxième sont à 16 000. Bon, bah écoutez, c'était juste histoire de vous dire ça. Donc je vais tout je crois bien qu'on est premier, mais ça m'étonne un petit peu qu'on ait gagné autant. Je m'attendais un peu moins quand même. Ouais, je reviens. Enfin, non, bonne soirée, bisous.